me vois pas non plus. Voilà. Je bug, je bug. Alors. Salut Oculus. Très bien. Alors. Toujours. Désolé, Jacques. C'était pas méchant. Bah, tu ouais, 12 personnes. Hein, le... Ah, il y a les amis. Il y a le robot derrière. Et quand tu déplaces les éléments, hein, tu vois, ils reprennent leur place. Sinon, tu vois, quand tu le lâches, il va reprendre tranquillement sa place. Ça va. Vois, il est bien modélisé, plein de petits trucs. Parce qu'il est bien élevé. Il reprend sa place. Ouais. Là, c'est non, c'est relativement propre, hein, sérieusement. Enfin, c'est propre. Je veux dire, c'est pas relativement, merci. Mais. Vas-y, ah. Il a fait un petit monde autour de Donjons et Dragons où ils peuvent organiser des parties. Des vraies parties, ouais. Voilà. Des parties fines. J'adore les parties fines. Ah, pourquoi il est revenu là? Ah, lui, trop bien. Ah, fais-moi la même en Pac-Man, ça serait rigolo, un Pac-Man avec des hélices. Bon, eh ben, écoutez, on a fait un petit tour, c'est cool. Donc le principe, c'est de venir papoter, discuter, boire un coup virtuel avec un vrai verre à la maison d'ailleurs. Ouais, donc, éventuellement. 14, 18 je pense et 21. Que... Ah, il y a du Pac-Man. Alors là, tu as le top modèle de l'ingénieur. J'ai pas entendu là. Il y a Neptune qui est notre top modèle maison, présentatrice. Non, c'est la vendeuse. Oui. Faudrait que tu ailles visiter le musée du jeu vidéo. Alors, qui est la présentatrice vendeuse? Neptune. Oh non. Neptune. Bonjour Neptune. Arrête de disparaître à chaque fois que j'arrive. C'est parce que vous ne suivez pas encore. Bonjour Nathalie. Voilà. Bonjour Sir Drax. Tiens, tic tic. Salut, salut. C'est rigolo ça. Salut. Bah, tiens, il y a une anecdote autour de Sir Drax. Tu vois, et Sir Drax, il est hypnothérapeute. On a souvent discuté que si un jour allez, je vous laisse, moi. Faire bon son métier dans le métaverse, par exemple. Prochaine. Salut Rudy. Tes paupières sont lourdes. Ah non, c'est pas non, monsieur. Je t'ai mis dehors. Moi, le problème, donc, c'est pas bien. Le problème, c'est qu'avec un hypnothérapeute, tu vois, je me serais endormi avant même que tu commences. Tu vois. Moi, si je m'assois, que je m'arrête, je dors. Tu vois, il te faut que des patients comme ça, en fait. Hein. Ah, là, c'est tranquille. Quoiqu'en ce moment, l'hypnose, les gars. Depuis qu'on a découvert que des animateurs télé l'utilisaient. Tu vas dormir. On a le droit de dire des bêtises un peu. Bien sûr. Oui, il faut. Alors. Le magicien. C'est le magicien, Eric. À la base, oui. À la base. Allez. À la base. Après, Eric, je peux te proposer de, si tu veux terminer ton live sur une note trimèche, je peux t'envoyer dans un monde trimèche qui pourra préfigurer un petit peu de l'avenir. Allez, on va terminer le live. Oui, alors attends, voilà. Je vais voir où est le live. Donc là, je vais vous parler. Je vais aller voir un monde avec un jeu. C'est pas un jeu, c'est juste un monde trimèche, c'est avec des textures. Un monde trimèche. Alors on y va. Mûrer. C'est où? C'est ici, c'est le Rex Gallery. Parce que tu le vois, vu qu'il tourne, faut le suivre en même temps. C'est celui-là, c'est le Rex. Si t'arrives à cliquer dessus, arrive.